那什么？Pas d'overtime à soir, j'en ai trouvé une, pas de GPS, pas de système d'alarme. Cool. Est-ce qu'il y a besoin d'un fil de téléphone? Les Kleenex? Un toutou? Je vais te prendre le fil de téléphone, tu donneras le toutou et les Kleenex à Steve, viens de tomber sur le barbant. Holidays in China. Huh? I'm with the GRC now. See. Registration. My turf. Well, technically, the whole country is my turf now. I've been working with them for over a year. Don't get me mad, man. The shop is closed. We have who we need. No, you don't. The big boss is not there. Your big name is set as well. What? Okay, then. Is it fellow? Taking you in with the others? No, wait. Je pas assez. Ça marchera jamais. Ces gars-là trans personne. Have you got a better idea? Ouais, parce que oui. Je veux tous les gars à la terre, sinon je le pense! Suite! Put your guns down, do what he says. Put your guns down! Scrampe par là, toi! Je veux personne dans mon dos quand je bouge! J'en veux pas une hostie dans mon dos quand je bouge, c'est-tu clair? Put your guns down. Baissez vos astuces de bête, ton calice de gun! He's one of us. Calice, clair! He's one of us. Dans mon dos. Put your guns down. Je vois les mains de tout le monde! Conduis! Fuck the shit, the callist, the fucking tabarnak! Ton français est pas rouillé. How come the guys who run the show weren't there? Je sais pas d'où vient ton information, là. An informant who we flipped after he tried to sell a hot car to one of my agents. Well, he played you. Parce que Di Pietro et Dubois n'ont jamais mis les pieds dans ce garage-là. C'est juste un transit. On désactive les GPS et les systèmes d'alarme sur les véhicules, puis après ça, on les ramène au garage principal. That's it. Okay. You don't have to go back. We just need to find Di Pietro. With what we've got on him collectively, he's done. Non. Il se passe quelque chose de plus gros que ça, je te le dis. Ça fait presque un an que j'ai infiltré le réseau. On peut frapper plus fort que ça, Martin, mais pour ça, faut que je retourne. Okay. But if I get a hinky feeling... Whatever you do, don't itch it. I will call it off. I promise you, if you disobey a single one of my orders. Your orders? Mm-hmm. No. Je travaille pas pour toi. Je travaille avec toi.
provincial, federal. My investigation trumps yours. If you don't like it, you can leave. I'll find DiPietro myself, and you can return groveling to your boss and explain how you wasted a year of taxpayers' money. You've changed, man. Thank you. Now let's get going. I've got a tracker on me. My men will be here any minute. How do we get you back in? Not exactly what you had in mind. Nope. Ça va marcher. Ça va marcher pareil. OK, on va dire que t'as réussi à me désarmer, on s'est battu, t'as perdu le contrôle du véhicule, j'ai réussi à me sauver. Là, faut juste que ça a l'air vrai, faut que t'aies l'air d'avoir reçu de airbag d'en face. OK. How exactly do you imagine that? Oh, fuck! You okay? Sorry, man. Show me. Ah, c'est bon, ça. Ça va marcher, ça. Toi, t'as pas changé du tout. Thanks. OK. No. My turn. Come on. Huh? Hit me. Oh, ouais, pas peur. Come on. Come on. Come on. Turn around. Okay. This might sting a little. Ah, come on, old man. C'est pas mon premier barbecue. Qu'est-ce que t'as fait là? Esti, mon Dieu. Aïe, aïe, oh, calice de malade! T'as vraiment changé, man. You asked for real, Dave. Not that real. Oh, you'll be just fine. It's only a flesh wound. Now, can you run? Can you run? I'm not sure. I like the new you, though. Now go. Call me on my cell when it's safe. Baisse ça, s'il te plaît. Pas me faire tirer deux fois dans la même soirée. Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Bon, vas-y. Hey! Oups. Excusez, Madame Bouchard. Papa! Allô? Non, tu peux pas. Oh, regarde, va me chercher le kit de premiers soins. Hein. Suzy, tu peux pas, vous pouvez pas. Faut qu'ils pensent que j'ai passé la nuit dehors à me cacher. Gab, tu veux te rendre utile? Là, va me chercher trois gros cafés avec plein de napkins. Toi, Louis, Philippe. Louis Martin. C'est pas grave, Madame Bouchard. Monsieur Bouchard fait pas ça pour mal faire. Il est blessé puis il est sous pression. Là. Louis, chose. Ouais. Donne-moi ton hoodie, trouve-moi des speed dans une demi-heure. Wow, là, Monsieur Bouchard, je sais pas trop ce que vous pensez de moi, mais j'ai aucune idée où trouver ça, moi. Ah,
Il y a peut-être un gars que je connais qui connaît un gars que je connais qui... Qu'est-ce que tu fais? Les cafés? Les napkins? Go! Oui, c'est ça. Je sais ce que je fais. Elle est due pour être changée, hein? D'une descente dans un garage d'un réseau de vol de voitures italiens organisé, un policier a été pris en otage par un des crottés qu'il essayait d'arrêter. Alors, on va aller le rejoindre. Je sais pas si j'ai de quoi nous dire, madame. Monsieur Ward, Poirier Claude, comment un petit crotté de deuxième zone a réussi à enlever un policier entraîné comme vous? Quand nous sommes entrés dans le garage... La résistance des suspects qui étaient sur scène nous a un peu surpris. Plusieurs étaient armés et ce sont... Ils vous ont pas appris ça à votre Nicolette d'Ontario? Ça arrive des fois que des individus sont armés? Désolé, mais je ne sais pas qui est Nicolette. Nicolette is the Quebec Police School. Voulez-vous qu'on continue in English? Non, pas de problème. Mais... Je vais vous demander de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît. C'est mon enterrement de vie de garçon. Where the fuck were you? Colisse. Hey, boss, peux-tu parler à ton singe puis lui expliquer que c'est juste si je veux pas parler qu'il me frappe? Il a pas l'air de comprendre les règlements. Hier soir, quand on s'est fait buster, ça s'est mis à brosser en malade. J'ai réussi à en désarmer un, puis l'enlever. Il m'a forcé à conduire jusque dans le vieux port. J'ai eu peur qu'il m'emmène là pour me tuer et s'enfuir. J'ai freiné sec. Et il est venu se cogner sur la banquette. J'ai perdu le gun. Il s'est battu, j'ai donné 3-4 shots en arrière de la tête. Il a perdu le contrôle du truck, puis j'ai sauté. Quand je suis sorti de la véhicule, il courait, j'ai tiré. Il m'a pogné dans l'épaule. J'ai été chanceux parce que j'étais encore capable de courir. Après, tu veux pas savoir la nuit que j'ai passée. No, I'm dying to know. Seriously, I'm curious. J'ai pas pris de chance, je voulais pas aller nulle part. Fait que j'ai passé la nuit dehors. J'ai volé le hoodie en itinérant. J'allais me chercher plein de café parce que je savais que la nuit serait longue. J'ai fait un beau pansement avec des napkins, puis tout ce que j'ai trouvé pour la douleur, c'est de l'ecstasy. That's it. Vous êtes un héros. Quand je vous ai vu à la face la première fois, je pensais que vous étiez juste un Anglais. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. Merci. Le portrait robot que vous voyez, là, c'est le crotté. Si vous le voyez, appelez ma boîte vocale, puis laissez-y un message. 10-4. Ah! Ah! Mon hostie de tabarnak! Oh! T'as l'air vrai, boss. Doctor's here? Yeah, he's standby. We'll go get him. You want to wrap it up? I don't. It can't just look real. It has to be real. So we follow protocol. Everything by the book. There's too much riding on this already. So you really shot your friend? Yes, I did. Just to be sure, boss, we're not friends, right?
Doc, tu y vas mollo, hein, quand t'enlèves mon magnifique pantalon. Avec ça, hey. Hey. Shut up. Saturé de caféine, en vitamine aussi. Ça va prendre des points. Mike, come on, man, time. Get him a drink. Let's go. Ah. Ah, merci, Michel. C'est gentil. Appelle-moi Michel encore une fois. Je te dévisse la tête. Hey, Michel. Pour le drink, je prendrais un scotch avec juste un glaçon, s'il te plaît. It's good to have you back, Davey. I don't want you to worry. The doctor's gonna fix you up. Now here. Buy yourself some new clothes, because you smell like a homeless hooker. Your apartment's burned, so Mikey's gonna set you up with a room upstairs, yeah? Merci, boss. Tu le regretteras pas. I have no regrets. It's the people who fuck with me have regrets. C'est long, le scotch, Michel. Ritz, mais tes voisines sont plus cute. Presque c'est passé hier, on change de gear. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous livrez direct au garage principal. Besoin de 25 chars en 5 jours. 25 en 5? Mais si, on vient de perdre la moitié des gars. Ouais, j'ai des nouveaux gars qui commencent à soir. Hey, deadline, c'est nouveau, ça, pourquoi? Pas de tes calices d'affaires. Bonheur, toi? Moi, je fais le chiffre de jour. J'étais sûr qu'on n'avait pas le droit d'avoir de gars en haut. Un coloc pour la semaine. Mm. Tu peux le mettre dans la même chambre que moi si jamais il a peur de dormir tout seul. Je suis pas méchante. Puis j'aime ça, il est pas fiable. That's with the rockstar. Wow. Pour le service aux chambres, c'est cool que j'appelle, j'imagine? Pas de niaisage avec mes filles. Tu me dois un pick-up, je le vends avant 3h après-midi. Tu me fucking niaises? Try me. Trust him. Well, he's one of our best. And that's not what I asked. Yeah. I trust him. You vouch for him? Yes. Done you then. On n'a pas le temps pour tes jokes. One man sacrifices everything
and face his destiny to clean the filthy business of the curling world. He's gonna clean it, armed with a gun and a broom. Martin Ward is Balls of Stone. How's the shoulder? Ça va. T'es peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais ça a marché, hein? Ils m'ont cru, mais j'ai eu la chienne. Pendant une heure, je pensais qu'elle allait me passer. Mm. Puis merci pour le portrait robot. Il était tellement parfait que là, j'ai été obligé de... Wow! Full budget au fédéral. Mm-hmm. Nous autres, on serait deux d'un cabanon jardin qu'un iPhone 4. OK. Time to information share. What do you know about DiPietro? Ben, je sais qu'il travaille pour la famille Caprese depuis toujours. Mais moi, c'est Mike Dubois qui m'a recruté. C'est seulement il y a à peu près 3 mois que DiPietro a retonti dans la place et s'est mis à ranner le show. What we've gathered is that DiPietro has been sidelined by the Godfather himself, and he's none too happy about it. You think he's ready to flip? We hope that's the case, yes. And we squeeze him hard enough, he gives us everybody at the top of the food chain. C'est pour ça qu'il veut avoir ses side business. Yeah, but it doesn't make any sense. Why dabble in stolen cars when there's so much more money to be had in drugs? C'est ça que j'essayais de t'expliquer, j'ai pas eu le temps. T'es mieux à me tirer dessus. C'est que depuis un bout de temps, il parle d'un gros client. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui, mais je sais que c'est big. La seule affaire qui vient de changer, c'est que pour la première fois, on a un deadline. Faut qu'on vole 25 chars en 5 jours, puis on va plus à l'entrepôt de transition. On s'en va direct à l'entrepôt principal. Je te donne l'adresse. Well, then, from now on, I'm going to be in your head 24/7. With this little device, you'll be able to hear me. If anything goes wrong, I can be there within minutes. You put it in your ear. Ouais, je sais, mais comment... Turn it on here. OK. Tu vas m'entendre, moi aussi, si je te parle? Oh, yes. Cool. Hey, pour des retrouvailles, c'est des retrouvailles, hein? C'est quoi les chances que tu bosses une place au Shunder Cover? Fairly high, I would imagine. Since our job depends on being in the wrong place at the right time. Toi, la famille va bien? Never better. My sister married an 86-year-old, somewhat senile banker, lives in Switzerland now. Jonathan? Your guess is as good as mine. Last I heard, he was in Montreal. Je trouve ton gars, moi. Oh, Dave. Finding people is easy for me. Communicating with them, apparently I haven't mastered yet. Les kids. C'est pas facile. Gabriel vit dans mon ancien appartement, en haut de chez nous. That's wonderful, no? Ah, ce serait génial si c'était pas du rack à poil. Rack à poil? Son chum, son boyfriend. On dirait qu'il sert juste à ça, faire pousser du poil. C'est-tu, quand il parle, on dirait qu'il rote. Mais Gabriel va bien. Elle a fait sa demande pour Nicolette. The Police Academy. Mm-hmm. Faut que j'y aille. Parce que moi, j'ai juste 2 heures pour trouver un pick-up. Well, I'm right behind you. Don't forget to put your earpiece in. Ça veut dire que tu vas être dans ma tête 24/7? Well, I might give you some rest from time to time, considering it's been uninhabited for so long. Wow. L'Ontarien est même rendu drôle. T'as changé, man. Tu m'inquiètes. Fuck you, man. Tu racontes de la merde. C'est pas le truc à Price, ça. Hey, vous me croyez pas? Check bien qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ton nouveau masque. T'as la ferme ta gueule, hein? C'est ça, t'es écœurant. Hey, je savais que Price était un homme de peu de mots, là, mais là, il en aura plus pendant 6 mois. Hey, Mike! Mike! Viens écouter ça, tu vas broyer. Tu parles tellement fond, on l'entend de partout ton histoire, puis anyway, tu vas raconter 40 fois, fait que... Ah, Mike, t'es comme un rayon de soleil. Devrais faire des annonces de jus d'orange. Ouais, mais là, faut y ramener son masque, là. Ça peut sortir de sa game s'il n'y a pas son masque. C'est ce que je fasse. Toujours bien pas pour aller à Brossard après une pratique puis faire « Hey, M. Price, je m'excuse de me déranger, c'est moi qui ai volé votre pick-up.
puis il y avait ça dedans. Puis comme je sais que les gauleurs, vous êtes plus superstitieuses que des petites madames qui jouent au bingo en frottant les éléphants, puis je veux pas que vous vomissiez partout dans la chambre à cause de ça, fait que je vous le ramène. Envoyez-y par la malle. Non, je vais y aller, moi. Tu penses m'a laissé ça à toi? Ah oui. Hey, dans deux semaines, m'a trouvé au marché aux puces à Saint-Eustache. Déjà vendu la sécheuse à sa sœur, lui. Pour toi, Mag. Plus colissé que toi, Mag. Les yeux, c'est pas bon. And you've never seen him before? First time. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu sais, les gros clients dont je te parlais, hein? Je suis eux autres. Si, bon, ils sont jeunes. Le plus vieux doit avoir 25 ans. I still can't get my head around this. Why cars? Why not drugs? T'es bien fatigué avec ça. Parce qu'il y a de la demande, il y a un marché pour tout. You know you can actually buy clean urine on the internet? Mais d'abord, ça me surprend qu'il n'y a pas encore de pocheur de diplôme d'école secondaire au Québec. OK, let's find out where they're from. Ah ouais, tabarnak! Tu fais ton cool avec tes firewalls de marde! Si je te crie ça dans le cul, tu vas faire quoi, hein? C'est MC, notre génie informatique. MC! David! Méchant move de Mongol, toi, voler le truc à Price. Mais j'aime ton style. Toi et moi, on va faire une équipe dangereuse. Fucking dangereuse! Une équipe? Ah ouais, mon gars. J'ai tes yeux, tes oreilles, tes mains, j'ai tout. Alors, ce que je vais essayer de faire, ce que je vais faire, calice, c'est de rentrer dans le système du garage de tes sopranos. Ah là, je le vois dans tes yeux que tu te demandes comment je vais faire ça. Ah non, c'est pas ça que tu m'as dans mes yeux. C'est qui a des poteaux pis des fils partout, hein? Qui? Belle Hydro-Québec. Boom! Ouais. Si je rentre dans leur système à eux autres pis que je bypass... Commande, bébé. Allez. Bang! Yeah, fucker! Je suis rentré, j'ai des caméras! Ah! Oh, c'est qui le boss? C'est moi le génie! Hein? Non, c'est Steve Jobs. You wanted a Macintosh? Mot Macintosh. Oh ouais. Oh ouais, prends ça. Oh ouais, Bill Gates, tu pensais tout savoir. Bon. À partir de maintenant, on est une équipe. Oh, en passant, j'ai besoin d'aide pour les computers sur béton. Je connais rien là-dedans. Non, mais c'est facile, mon gars, là. T'as juste à prendre des photos du système informatique. Ah. N'importe quoi. Genre des ordinateurs, du filage, du disque dur externe, modem. Tout ce que tu peux, name it. Ben oui. Hey, allô, Minnie Mouse. Excuse-moi, je suis undercover. Penses-tu que je peux rentrer là-dedans, prendre des photos avec mon téléphone? Il est cute. T'es cute. Faut que tu m'aides. Peux-tu t'arranger pour ordonner ça à Carey Price? Parce que si à cause de ça, ils se mettent à perdre, la ville va être virée à l'envers. Il y a deux, trois personnes qui vont perdre leur job. Erreur. Non, excuse-moi. Non, non, c'est une erreur de ma part. Partisan de Toronto. Pense que je te trace avec ça. Y a-t-il quelqu'un de Montréal, Sid? Quelqu'un de Montréal? Non, fuck you, dude. Je cherche un mot, je trouve pas. Really fucking weird, but awesome. OK. David, your camera's too low. Get it up. Perfect. OK, guys. I know we're asking a lot here, but this is your time to step up, make your mark. Pour vous garder motivé, Sylvie a décidé d'oublier les tarifs de tout le monde. Nice. Si vous pensez que vous êtes suivi, vous n'êtes pas ici. Le seul choix, c'est que vous êtes, vous m'appelez au bar, pas sur mon sel. Au bar. C'est-tu clair? Ça, on se fait embarquer. OK, look. Anything happens to you out there, I want you to remember, I got your bill. Voici DiPietro. As long as you keep your fucking mouth shut. Now, for those of you who don't know me well yet, I'm actually quite a nice guy. Until I'm not. So here's what makes me not. Talk about the job outside of these four walls. Yeah? You know, you shoot your mouth off, impress your buddies, get laid, huh?
Another thing that really gets me is when you don't show your face when I expect to see it. Qu'est-ce qui arrive quand t'es plus un nice guy? Okay. Who the fuck is this guy? No, no. Not now, David. Any other questions? I'm serious, if you want to go, now's the time. Great! Let's go. Hey! Come on, help up this surfer boy. He's one of the team now, let's go. Help him up. The kid's okay. He's gonna be okay, David. I need those pictures. David. I really need those pictures. C'est un mauvais moment. Is there a problem? Non, non, je juste demandé à Mike s'il y avait une liste de demandes spéciales pour les chars. Ouais, je t'apprends ça. OK, là, il bouge trop, je peux pas avoir un freeze frame qui a de l'allure. David, your head's moving too much. When you're on target, try to hold still for a couple of seconds. Okay, David, je peux pas être gossante là, mais là, go, go! You okay? Ah oui. C'est juste la douleur, des fois, ça fait comme des chocs électriques. Hey, tu gardes les Miata puis les Honda pour les nouveaux, puis tu me donnes juste les payants. Okay, come on, go! Prends les papiers, on y va, on est parti! David, OK, c'est bon. Je veux juste des photos de l'ordinateur, s'il te plaît. Derrière l'ordi. Yes! Non! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Colin, je veux pas que ça fasse à lui. C'est un problème. Je m'en fous de lui. Ernest, juste... problème. Ah ouais, t'es capable. Come on. Ah ouais, David. Come on. Yes! Oh, parfait. OK, on a quelque chose de bon qui se passe. Plus proche, plus proche, plus it's proche, cool, plus yes. proche. Yes, on l'a! Wouh! Tabarnak, mon gars. Michel. Je fasse faire des doubles à chaque fois que je te livre un char, tu peux t'en occuper. Merci, boss. Merci, Michel. You've got it. Good work, David. C'est un petit moment à ton pouvoir d'exalté d'arrêter de me parler quand je travaille. OK. What the fuck, Mikey? I don't know. Maybe it's one of the mechanics. Il y a quelque chose de bizarre. What? La liste que Mike m'a donné, c'est la même que la semaine passée. Really? OK. You have to come in tonight. Impossible. Il faut que je rentre au moins un char le soir. Rejoins-moi au coin de Sainte-Catherine puis Crescent dans une heure. 10-4. Oh, and bring me a white shirt and a bow tie. What? A white shirt and a bow tie? I can't believe you got me helping you steal a car.
Martin? Martin, m'entends-tu? Hey, réveille! I'm here! I'm here! Is something wrong? Tu fais d'overtime, les trois clients sont au bar. You need to tell them, c'est trop risqué pour moi. I'll be there in 10. OK, mais fais ça vite. Ben oui, je parle à mon pénis. Il m'a même donné un nom. Il s'appelle Martin. Ha! Asshole! Est-ce que je m'en calisse? Fais ce que tu veux, Doug. Ce qui est sûr, c'est que moi, je te présenterai pas le mien. OK. Tu changes d'idée, je suis au bar. Mike, il veut absolument que ce soit moi qui s'occupe d'eux autres. As-tu distingué? Non. Mais moi, je pose pas de questions. Tant que le type est bon et qu'il pousse pas trop sur le taponnage. Gina? Jen. Peux-tu en avoir d'autres? Parce qu'il y en a plus. Puis double. Puis trois, dans le fond. Martin, qu'est-ce que tu fais? 5 minutes, tops. Hey, Jen, t'as-tu des allumettes? C'est pas grave, c'est juste des kids, là. T'as juste à essayer avec ton turban. What's he saying? T'es caliste, toi. C'est correct, je m'en occupe. Je m'en occupe. Putain, sors. Relax, man, c'est bon, là. It's alright. This is wrong. That's not wrong. OK. Tu vas rentrer chez vous tranquillement. Hein? Uh-huh. Tu viendras nous voir demain soir. OK. OK? Au revoir. Mmh. Demain. Bonne nuit. Demain. I'm here. Dans le fond, là. Encore ici, c'est la choupette, là. Puis vous autres, vous ne direz certainement pas quoi faire chez nous, OK? C'est là. Can believe this. C'est sûr que c'était pas fourré. No, Dave, I'm not 100% sure, but seeing as there were 3 American flags hanging off the building, 2 armed Marines at the door, oh, and yes, a gold plaque that says United States of America Consulate, I think I might be onto something. Qu'est-ce qu'ils font, William? Ils sont américains. Ben oui. Puis moi, je suis japonais. La fin de semaine, je me mets des boblins dans des gogounes, puis je roule des sushis au Carrefour Laval. She's right. They are Americans. Show him. Ils font tous partie de la même université. T'as acquis quel système pour avoir ça? Aucun, mon gars. Ils sont enregistrés en bonne et due forme. Même qu'ils font partie de notre base de données officielle en tant qu'observateurs et consultants pour des œuvres humanitaires. Pour qui? Criminels sans frontières? Ça n'existe pas, ça. Merci, Princesse Léa. What if they're FBI? Fuck, c'est pesant, man. They're rocks. FBI? Mm-hmm. Non, 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 non. Ça va être quoi après?
Le KGB puis Scott Lanier qui va débarquer pour un middleman comme Di Pietro. OK. You take care of Di Pietro, and I'll keep my eyes on the Americans. Parfait. Tiens-moi au courant. Hey! Aren't you forgetting something? No. The tip. Quel tip? Yesterday, the guy whose car you stole, he gave you a tip. $20, right? Happy. Well, I tipped the valet, too, and I'd like to get my money back. Man. You're so cheap. Tu as donné combien de tips, toi? $10. Ben, je veux mon change. And you're calling me cheap. Je pense qu'il manque 5 pièces. No. I paid 10, you got 20, profit is 10, so your share is 5. Tabarnak. You need help. You need therapy, my friend. Hey, tu devrais être dans les AA ou les CCs. Cheap Canadians. Hi, my name is Martin. Hi, Martin. I've been a cheap Canadian since I was born, and I'm so excited to get $5, I'm still shaking. Tiens, toi, change-moi ça. Wow! Tu me parles comme si je travaillais pour toi. Ah, je m'excuse. Je t'ai pas expliqué. Fédéral. Provincial. C'est pas la meilleure façon de parler à un indépendantiste qui a des problèmes d'anger management. OK. Là, tu vas changer de ton, jeune homme, OK? Parce que je me suis fait chier toute la journée avec mon endocrinologue qui m'a annoncé que j'étais pas dans le bon sexe. Ouais, mon taux de testostérone est anormalement élevé. Les filles sont à 2, les gars sont à 7. Moi, je suis à fucking 9.2. Au moins, il est pris en charge par un professionnel. Martin Ward, RCMP. I need to see an official. It's regarding a very important and delicate matter. Everything is important, sir. Take a blue number, take a seat right there. Somebody will be with you shortly. Bonne journée. Bonjour, je peux prendre votre commande? Ouais, je vais prendre le surf and turf avec la patate au four garnie au foie gras. Puis un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Parfait. Autre chose? J'avais besoin de voir ta petite face. Es-tu prête pour ton examen? Oui, je suis prête. Je suis nerveuse, là, mais je suis prête. Good. Mais on va quand même réviser ensemble les étapes d'une intervention civile. Je suis prête, je te le dis. Ah ouais. Approche, identification, question, écoute, analyse la situation, résolution de conflit. Et s'il n'y a pas résolution de conflit? Je fais comme toi, j'invente un nouveau règlement, je sors mon gun. Très drôle, t'es très drôle. Je suis prête, Pat. Je le sais, cocotte. Si moi j'ai passé, toi tu vas tout causer. Merci. Oui, oui, les nerfs! Il y a à peu près 40 sortes de bangs. Peux-tu prendre une minute pour choisir, calice? Papa! Avancez au premier guichet, s'il vous plaît. Tu me rends un service. Va acheter de la crème glacée à ta mère. Miel lavande. Arc. Je ne reviens même pas que ça existe. Pas de danger qu'ils font bacon ribs.
Souris. Hey, two sandwiches for the price of one. What? Excuse me. I'm sorry. We're serving number 159, sir. Perhaps you've made a mistake and slipped by a couple too quickly? Impossible. It's all done by computer. The numbers are not switched manually. I need to speak to somebody now! Ken? We have a code 63. Code 63? What the heck is that? Please. Thanks, Chloe. Take your 15. I got this. Look, I'm sorry. The paper we gave you on your way in. The reason for my impatience, in fact, the reason for my entire visit here. Sorry, sir. No one can see you today. But if you want to come back tomorrow, I'm sure I can get you on another list. Fuck you. T'es belle. Toi aussi. Mettons que je m'ennuie pas de ton look de biker. Je te crois pas. T'as toujours aimé ça, bad boy. Comment t'as fait ça? Je suis bien plugué avec ta locataire du deuxième. Hey, je savais que j'avais bien fait de te remarier. T'es l'homme idéal. Jamais là, fait qu'il fait le cheap pis il fait les choses les plus cute du monde. Hey, ça va-tu? Non. Je trouve ça tough. Je sais, mon amour. C'est presque fini, là. Ça finit jamais. Des fois, je sais même pas pourquoi je fais tout ça. Pour peut-être pogner deux crapules? Puis après, c'est pas fini, là. C'est 3 ans de procès, puis s'il y a une preuve inadmissible, tout ça s'en va au vidange. Bon, OK, pourrais-tu me passer mon mari, s'il te plaît, là? Parce que moi, mon homme, il parle pas comme ça. Tu connais-tu mon charme? Non. Il est comment? Ben, c'est une espèce de tête de cochon qui a un caractère de cul, là. Mais c'est le plus courageux, tenace, déterminé et honnête qui existe. Continue, ça. C'est bon. Mon homme, c'est un mâle alpha. Il abandonne pas tant qu'il a pas gagné. Je le sais parce qu'il a réussi à me marier 2 fois. Je te mérite tellement pas. Je le sais. Qu'est-ce que tu fais, là? Attends. Hey, arrête, là. Même quand tu niaises, ça marche. Ouais. David! Qu'est-ce que tu fais, là? Allô? Allô? Es-tu là? Oui, je suis là, mon amour. Excuse-moi, là, c'est la job. Hey, c'est pas vrai. Je suis pas d'un motel. Mais je sais, là. Ce serait pas un bon undercover avec moi, là. Bon, mais je vais te laisser parce que je veux profiter de la crème glacée. OK. Oh, hey, t'es pas correct, là. Bye. Bye.
you quick. Regarde. Yeah, why are you showing me this? Quelque chose de pas normal. Boss! Venez ici, on a quelque chose. Regarde, c'est juste... Quand il va parler dans le micro que les bœufs vont jeter leur gun. Regarde. Barry says, put your guns down. Mais là, il dit quelque chose d'autre après, là. À 17, là. Shit. Okay. I'm pulling you out, David. No. It's getting too dangerous. Hey, je suis un grand garçon, ça fait un an que je suis là, il m'est jamais rien arrivé. It's a miracle. So let's accept that and get you out of there alive. We don't even know if DiPietro is still the key. Tu sais comment ça marche. On a juste besoin d'un petit break, tout va se mettre en place. You sound like a rookie trying to prove a point. Is that how you're going to teach your daughter to be a cop? Quoi? Fuck you. Fuck you. Moi, au moins, je peux y apprendre quelque chose parce qu'elle me parle encore. Yeah. That's it. I'm your boss. You're done. Mon boss? That's right. Your boss. Ah, mais ça, c'est quand même vrai que c'est ton boss, bro, hein? Ta gueule! Oui? OK. Parfait. J'arrive. You've been burned, David. Get out. Il y a des problèmes avec l'autorité. On est pareil. Oui, boss, tu voulais me parler? Quoi, on a besoin de tout pour... Je parlais. Une livraison dans le Maine. La Mustang, ça niaise pas, t'es revenu à soir. Ah, comment? Donne ça un kid, là. Moi, pendant que je fais ça, je vole pas de char. Quand je vole pas de char, je fais pas de cash. Here's 2K. It should cover your gas, happy meal, a bus ticket home. You keep the change. OK. On y va. Excuse-moi. Michel. C'est pas... T'as dit « on ». Puis en français, d'habitude, « on » exclut la personne qui parle, mais là, on dirait que tu dis « on » comme... comme « nous ». Boss, tu peux pas me faire ça. Hey, tu peux pas me faire ça. C'est sûr que Mike pis moi, on n'écoute pas le même genre de musique. Sure, t'écoutes du dance. Écoute du dance. T'as une phase de dance, Mike. Quoi? Asti! Écoute du dance! Okay, look, you go straight from A to B, you don't stop. And I'm talking the Brazilian women's volleyball team's bus breaks down and they're naked on the side of the road, you don't stop. Clear? Clear. Merci, boss. Merci, Michel. Ah, pour la clé, fait du véhicule. Dans la même place que d'habitude ou... Hey, mon général, décidé de passer faire un tour. I just wanted to be sure you were safe. Ah, vraiment, je suis touché. J'apprécie beaucoup. Don't take it personally. I'm just doing my job. Ben, tu vois, tout est cool, y a aucun problème, sinon le petit nerveux sera avec moi. I'll just make sure nobody's on your tail. T'es tellement possessif. Long is not a number. 36 hours and we got it sealed tight. Tighter than a nun's pussy, no offense.
None taken, I'm Muslim. This fucking guy. What are they saying? Don't we have another angle? Je vais essayer quelque chose. David, are you there? Ouais, je suis arrivé. Le point de rendez-vous est un vieux truck stop. Anything suspicious? Nope. Tout a l'air cool. Mais c'est sûr que le client est pas là. Il y a un méga traffic jam, puis il y a de la police partout. D'après moi, il se pointera pas à faire tout de suite. OK. Don't leave the car. Keep you up to speed. OK, mais il faut absolument que je pisse. OK. But go quick. Get straight back to the car. Oui, papa. Bitch, je l'ai! Check bien ça, boss. On a la caméra puis le micro de l'ordi. I'll have the satellite up in less than 4 minutes. Satellite? And you rigged it in accordance to the specs? Yeah, I mean, more or less. You know, we're not doing the full meal deal. Well, enough to do some damage, but not enough to end up on the news. Excellent point, Mike. You'll still be impressed. I'll be the judge of that. Fuck. Ils vont faire exploser le char par satellite. Oh mon Dieu, c'est génial. David? David? David, are you in the car? Oui, papa. J'ai levé le siège, je me suis lavé les mains. No, no, get out of the car. Hey, Dad, décide-toi, là. Stay in the car, get away from the car. You know the key to good parenting is consistency, right? David, get away from the car. It's gonna blow in less than 3 minutes. Quoi? David, you've been made. They're testing their satellite and you're the crash test dummy. Attends, attends, quel satellite? They're gonna blow up the car, David, by satellite signal. Get out now! Fuck, David! What are you doing? Hey, Martin, je peux pas laisser le char ici, c'est plein de monde. Shit! Fuck, David, call this! The car seems to be moving. What? Why is it moving? Mike! Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, okay, blow it! Blow it! Blow it! Do it! I need to rearrange the coordinates. Come on, the coordinates. Out, 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 out! Stay in your car, sir! Back away! Back off, my car is gonna blow! Stay in your car! Keep everybody away! Stay away, everybody! Get back in your car, sir, or... I swear! What, you're gonna shoot me? You leave me no choice! Get back in the goddamn car! Everybody down! 20 seconds. Fuck, David! David? Can you hear me? David? Oh.
David! Talk to me. Martin! Yes. Oh, thank God. Martin, m'entends-tu? Je suis correct, j'ai rien. Puis, il n'y a personne de... Freeze! Get on the ground! Stay on the ground! Ah, oh, crie pas de même, j'ai un tympan qui cogne en zombie, calice. Hey. On the ground! I cannot be more on the ground than this. I'm a police officer. Shut up! Okay, freeze! And don't you move! Hand behind your back. Now! Take it like this. Clip it. Like that. Yeah. Do the other one. Just clip it like this. There you go. Okay. Yeah, I got him. I got him. Holy. Yeah, I'll get you. So this is the first batch of cars, and they leave for the coast tonight. The second wave heads out tomorrow. The rest will be on the road come D-Day. And you can trust all these drivers? Absolutely. See, no one knows the end yet. As far as they know, it's just another routine run. We have secret drop spots where the mechanics leave the vehicles. The drivers pick it up from there. It's kind of like Big C, but a little different. Good work. Nobody pays to see the rehearsals. The 36 hours will be rich. We're dead. Well, FBI is on the way. Good call. Yeah. Well, I guess I'd best go have a chat with him. Don't do this, sir. He's a terrorist. He's right. The FBI is on the way, sir. Captain, your wife and the boys. Think about them. This isn't worth it. Well, now correct me if I'm wrong, but this is our town. Until somebody comes along and tells me otherwise, we are still in charge here. I'm going in. Well, who are you, son? Who are you, who are you working for? Wow. Don't beat around the bush, sir. Maybe a bit too aggressive. You don't want to put him on the defensive. He's a terrorist. I think he starts on the defensive. My name is David Bouchard. I'm a French-Canadian cop working undercover for the Sûreté du Québec. For who? The Sûreté du Québec. He's totally making that up. Mm-hmm. Are you a German? What? No. No. I'm French. French? Well, now, I thought you said you was Canadian. Oh, he's got him. Really? Sure. First he says he's French, and then Canadian? Pretty sure there are French Canadians. French. French. Which is it, son? You French or Canadian? Hmm? I'm Québécois, Carlis. French-Canadien séparatiste libéral, tabarnak. Toi, tu viens d'où, esti? De la Mongolie d'Amérique ou de la Moronie du Sud, esti de cave? Okay, that was not French. Yeah, it sounded more like Swedish. Yeah.
Like this, the Swedish chef on the Muppets. Hmm? The English British, thirsty dirty, smorgasbord. No, that was French. Like, it might be some kind of, like, street, weird, second-rate, bastardized kind of French, but that was French. Pretty sure it's Swedish. Mm. Well, you best get your story straight there, son. The FBI is on the way. The FBI? Mm-hmm. And they won't be nearly as kind as we are. Whew. FBI is coming here. Mm. Hallelujah. I praise the Lord. I'll wait for them then. Thanks for your participation. Very appreciated. Wait. You sure about that? Yep. No, si importa ça. You sure? Because if you wanted to straighten anything up, more than happy to have a little chin wag. Mano a mano. Say I didn't warn you. Well, guess I stirred his giblets pretty good. Sure, that bridge is safe. Let's take all the time that we need to process this crime scene properly. I want Command and Central up and running in 10. And get the mayor on the line and tell him to meet me here in a half an hour. Yes, sir. Excuse me. Sir, can I get a sir. I'm going to make a brief statement. Sir, do we have information on who committed this act of extreme violence? Do you think that this attack was terrorist related? Statement does not include questions. However, I can say that this act was in no way related to a terrorist organization. We do have a suspect in custody, and I will keep you posted on any future developments. What is the name of the suspect? Can you give us that, please? I want the good people of Middlebrook to know that they are safe tonight. Rest assured, there are no further threats. Martin Ward, RCMP. Stay back, sir. I need to speak to whoever's in charge. Agent Bland, FBI. I have information that will be of great use to you. Oh, really? David? Agent Blaine, FBI. Is this man here your partner? Well, partner is a relative term. Martin? Yes, he is. This is David Bouchard from the Sûreté du Québec. He is one of my men. And, sir, I'm going to have to ask you to turn around and slowly put your hands on the table. What? I'm RCMP. Sir, I'm not going to ask again. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'elle a laissé partir parce que tu lui flashes une badge de la petite police canadienne? T'es donc bien naïf. T'es pas rendu témoin de Jova, toi, Calis, là. Hey, je conduisais un char qui a explosé dans le pays qui reçoit le plus de menaces terroristes au monde. Là, au lieu d'être juste moi qui va être pogné ici, ça va être nous deux. Hey, bravo! 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 Mesdames et messieurs, mon partner, Martin Ward. RCMP. I'm sorry. What for? I just see that on Paul Fine up there. But there are just so many to choose from. Fuck you.
Do you think the other 25 cars are rigged like yours? Hey, c'est sûr. Vas-y, c'est génial. Tu places des chars volés aux quatre coins des États-Unis puis t'es fait tout péter en même temps. Even if somebody knows that something's wrong, who's going to say anything? I mean, they bought a stolen car. Si on sort d'ici, on fait quoi? I'll get my team together. We'll go back in, get those computers out. We need the FBI to believe us or we're done. Shaking again? C'est quoi? Toi qui t'étais dans une pièce tout seul avec moi? You wish. C'est quoi? I'm cold. C'est quoi? C'est pas la première fois, là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, David. Very. What is it? J'ai la maladie de Lou Gehrig. Ok. C'est qui, Lou Gehrig? C'est un joueur de baseball. Un des premiers cas connus. Oui, le baseball. C'est comme le Parkinson. Well, c'est une maladie dégénérative. I'm slowly losing control of my motor functions. So, one by one, things will shut down. And the fun part is, you never know what, when, or in what order. Just that they're all gonna go. Eventually. C'est comme roulette russe. Hey, Martin, what are you gonna lose today? The ability to swallow? Or speak? Ça peut prendre des années. Not many. 6, maybe 7. And the last few aren't that much fun, so I hear. Sur mes médicaments. Yeah, I'm taking them. They slow it down, but sorry, man. Calice. And you thought being stuck with me was the worst thing that could happen to you? Oh, it still is. I want I need to win this one. I don't want to step down just a sick old man. You know? You want me. You want good to go. Everything checked out. There are about 25 more cars we think rigged just like this one. We don't know when the shit's gonna go down, but we think it's gonna be pretty soon. So what's our next move? I don't know. You don't know what your next move is? Oh, my next move. My next move is to escort you to the border, shake your hands, thank you kindly, and wish you luck.
And your next move will be to file all the necessary paperwork that we're going to need to conclude this investigation. But your superiors are going to explain all of that to you in both official languages when you return. Oh, and gents, next time you feel like crashing into my backyard and stirring up a shitstorm, do me a favor. Call me first so I can tell you to stay the fuck away from my country. Quel trou de cul. He kind of reminds me of you when we met. Where is everybody? Le grand boss a tiré la plug, boss. Why are you still here, then? Mon boss à moi, c'est toi, boss. C'est pas ton boss à toi, boss. What? Moi non plus, j'ai rien compris. Puis y'a plus de signal. Je comprends rien. Je sais pas c'est quoi le fuck. Sont-ils encore dans le garage? Non. Well, don't you have a tracker on the device you had David switch? Oui, mais y'a plus de signal. OK. Consulat. We can't touch them. They're on American soil. Besides, we don't even know if they're still there. Fucking... Fuck the... Fuck... The fucking fuck. Always one move behind. Jen! Are you sure he's here? Ouais, la petite barmaid m'a dit en courant. Il y a presque plus personne. Oh, I'm sorry. My watch is still on Vancouver time, which means we've still got several hours left. So step right back inside. Salut. Bon, merci. Je sais pas c'était qui, Lou Gehrig, mais il devait jouer au baseball en tabarnak. Excuse-moi, mais... Mauvais goût. We're looking for a mic. Oh, shit. Hey, come on. Mic. Michel. Michou. Sick to know, Michou. Okay, easy. Easy, boy. Easy, 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 easy. Mic. Fasse-moi pas tirer. Lâche la petite, elle est au courant de rien, elle sait même pas que je suis une police. There's no way out, the place is surrounded. Fous la tête! Moi je sors de cette ouverture, j'y ouvre la gorge, fais ça! Mike! Laisse-la partir! La laisse partir, on sert les gars, on passe des manottes pis on parle. Hey fuck, tu me prends pour une astuce d'ave, toi! Mike! Mike! Hey, j'ai vu là! Mike, nobody's died yet, you can still get out of this. Stay up, stay on! Laissez-y, Mike, Mike, calme toi, regarde! J'y pose la gorge! David, don't! Martin, laisse-le passer, il va te tuer! No! Martin, dépose ton gun! No! Jette ton gun! Martin! Jette ton gun, là! No! You listen to me. If you hurt that girl, I will shoot you, you intolerable piece of shit! No! 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 Deux, c'est bon, ma fille? Yeah, two is right, but not too hard. We need to talk to him. Okay, okay, c'est fini. Okay. We have to go. Fucking bitch.
est parti, tu fais 9 à 1. Mais vous êtes pas des polices? Oui, mais non. Tu comprends? Non, mais... oui. OK. Aussitôt qu'on est parti, tu fais 9 à 1, tu leur expliques que ça a brassé dans le bar puis qu'il y a un blessé grave, tu t'en vas, je veux pas que tu sois ici quand il arrive. As-tu un chum? Parfait. C'est là que tu vas. OK? Tu restes là jusqu'à temps que je t'appelle. Quand c'est fini, je t'appelle puis tu me donnes des cours d'autodéfense. OK? Merci, John. Wow, that was quick. I learned from the best. Shit. Quoi? My son. He tried to call me. Cool, c'est bon, ça, c'est bon signe. Je savais que ça s'arrangerait. Ça se dit, je vais perdre. So, tell us everything you know right now, and we might be willing to deal. Moi, quand je fasse un deal avec des pourris comme lui, vous pouvez tout vous coller ça dans le cul. Je te connais bien, Mike. Un menteur, un voleur, un crosseur. Au cash, pas au pitoune. Mais t'es pas un assassin. Money has that effect on certain people. Tu penses que j'ai peur de la police? Tu vas faire quoi? Je parle pas, tu vas me donner des coups de page jaune. Hey! Regarde autour de toi, c'est-tu de marron? Ça ressemble-tu à un poste de police, ça? Penses-tu qu'on t'a amené ici pour te faire faire de la peinture au doigt, prendre des photos de profil de ta face de gorille? On te l'éteint, moi, ta face de tata. Shit. Fuck, ma femme. What? C'est ma femme! David! Oh! Allô? Je t'ai-tu réveillé? Pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille. T'as dit en sa main? Hein? Ben oui, que c'est ça? Ah, lui, c'est juste Martin. Martin? Mais là, je... Mon amour, tu peux pas aller dans le garage. Hey, je t'avertis, là. Si t'as fait une de tes conneries qui va nous mettre en danger, là. Hey, non. Hey, fais-moi confiance. On va s'en reparler. OK. Merci, mon amour. Je t'aime. She's crazy about you, lucky prick. Oh, shit! Come here, Michel. Michel. Avale pas ça, c'est pas bon pour ta santé, ça. Y'a un chien, c'est de cave. Le show t'a bête m'a assigné ta caisse de blonde. Mais tu sais que... You tell me what I need to know right now, or I... Or what? Tu penses que j'ai peur de trois, quatre tapes sur la gueule? Hein? Me. You worthless speck of dog shit. My wife is gone, my son won't talk to me, and I'm dying. So if you think I give a flying fuck whether you die tonight, think again. You know they say this guy did this crazy thing because he has nothing to lose? Well, I'm that fucking guy. Okay? You tell me where this thing is going down right now, or I will drill so many holes in your hideous face that when the sun rises and the beams shine through your ugly fucking skull, you will light up like a goddamn disco ball. Yuck, 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 yuck! Now you're déjà trop tard, là.
Je vais chaud qui sont au stain sur les dernières batches par ta matin, là. Ils sont tous rigués. Ils vont sauter le même jour partout au stain. C'est des bombes mobiles, OK? C'est tout. C'est tout. Qui livre les chars? Des kids qui pensent faire un coup de cash, ben ils reviendront pas. Ils savent pas que les chars sont rigués. Ils savent pas tout est prévu pour qu'ils sautent avec. Y'a aucun lien entre eux autres. Avec le FBI et la CIA se démêle, tout le monde va avoir disparu, OK? Where the computer? Je le sais pas. Je le sais pas, je te jure que je le sais pas! Je le sais pas! Nous autres, on fait 5 jours, on a 4 livraisons, je sais même pas quand ça va péter, OK? Tout ce que je sais, tout ce que je sais, c'est que la dernière batch, ça part à matin à 5 heures. Ça part d'où? Ça part d'où? Oui, OK. Ça part d'un terrain vague dans l'est de la ville. C'est tout ce que je sais, je vous jure. Did I make him talk or what? Impressionnant. Surtout avec une drill, pas de batterie, c'est pas facile, ça. Michel! There's no fucking battery! Appelle-moi pas Michel! Appelle-moi pas Michel! T'es sûr que t'es carré avec ça? No choice. No time to go for more help. On aurait peut-être pas besoin de se rendre jusque-là. C'est clair, si le plan A fonctionne pas, on passe au plan B sans hésitation. On dirait plus que vous avez deux plans C. Bon. Le propriétaire de bar de danseuse qui est devenu un grand stratège. Commence par gérer ta peur des outils inoffensifs, puis après ça, tu pourras considérer un job de consultant pour la GRC et la SQ. C'est maintenant. Par contre, si tu shakes comme ça... I'll be fine. Don't worry. You have your meds? Now would be a good time to take them. And if you have any extras... Give me 90 seconds. I'll be in place. Bon, ben Michel... Mon destin est lié au mien. Il arrive quelque chose, on y passe tous les deux. Vous êtes deux astites fuckés. Depuis qu'on se connaît, c'est la première chose gentille que tu me dis. Merci. Allez, let's go. Ouais. Fucking gun! Ah! Hey, you've reached Jonathan. We know what to do after the meeting.
Ça va faire mal, mais faut que tu mettes une pression comme ça, OK? Voyons, Carlis. Martin! Martin! My son is one of the drivers. Quoi? My son is driving one of those cars. Martin! Martin! He called. I could have saved him. Faut que tu te ressaisisses, man. I could have saved him. Now my son is gone because of me. Hey, Martin, je comprends, là, mais c'est pas le temps, là. They killed my son. Hein? I killed him. Non! Non! Hey! Hey, shake it off, man! He's not dead! Il est pas mort, il y a eu aucune autre explosion. Ton fils est pas mort! Mais là, j'ai besoin de toi, now! Jonathan a besoin de toi. That's fine. What are you doing? Let's go! Tu peux pas aller chercher ton fils. Oh, let go of me! Pense-y. Think about it. I don't want to save the world. I just want to save my son. Moi aussi! On n'a aucune chance de trouver ton fils avant qu'il traverse tes lignes. On sait même pas où il s'en va. La seule chance qu'on a de sauver ton fils, c'est d'empêcher Charles d'exploser. Everything's ready. We need to move. Take a deep breath and relax, kid. We are going to stick to the schedule exactly as planned. Now, what happened this morning was just a little bump on the road. We still have 27 cars in play, and nobody has a clue about what is about to go down. Today, we write history. See, the fight for freedom is a never-ending fight that demands sacrifice, and it is worthy of everything we got. If our neighbors are poor or defenseless, it is our duty to protect them, sometimes even against themselves. Our country, our brothers and sisters are stoned. Stoned on comfort, stoned on pumpkin spice lattes and fucking Facebook. Somebody needs to step up and save them, not friend them, save them. And that somebody is us. Do you know why? Because we are the true patriots. And if we succeed today, 50 years from now, we'll be in every textbook. But if we fail... Shit. Those pricks don't give up. What is it? Fucking Canadian cops. Ali, Connor, go and do everything exactly as we planned. Yes, sir. You, come with me. Sir, I want to be a part of this. Shut up! Don't question my orders.
No papers, no numbers today. I want to speak to your boss. It's protocol. You need an appointment. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas dans emergency? Sir, lower your voice. We need to talk to the person in charge, Balto. Get down! Bon! Get down on your knees! Calisse, ils vont-tu finir par nous prendre au sérieux? Get down on your knees! Asti d'attitude de marbre, je suis plus capable. Vous êtes chanceux en hostie que le fils de mon ami est poigné là-dedans parce que sinon j'irais m'effouer à la maison les deux pieds sur le pouf avec une bonne bière frette puis regarder les chars vous péter dans la face live sur fucking CNN, si boy. Comme je te dis, Martin, je suis plus capable de leur hostie d'attitude de King of the World comme si Adam et Eve tenaient en Californie, sacrement. FBI, everybody put your guns down! Put them down! Put them down. I know these men. They are Canadian police officers. They're working with us. Gentlemen, if you would please come with me. I was just about to call you. Tu vois, des fois, faut juste lui parler d'en face un peu, puis ça débloque. Hi, I'm David. Gentlemen, after our little misadventure up in Maine, I decided to come down here and check things out for myself. Turns out you were right. That man in there was planning a terrorist attack on American soil. Well, we have him now, thanks to you. And I'm going to see to it, and I'm going to make sure that the proper authorities know what you both have done for my country. But there are at least three of them. Yes, the other two are also in custody. We've also impounded their cars and their computers. And you were able to locate all of the cars? Most of them. It's only a matter of time before we get them all. It's over? Yes. It's done. It's over. Martin et David, m'entendez-vous? J'ai signalé leur ordi. I'm sorry. I'm gonna have to take this. Of course. Yes, merci. J'ai signalé leur ordinateur, ils se sont rebranchés avec mon device. Slow down. Explain this to me again. Je peux pas rentrer sur leur ordi, mais j'ai le signal du tracker. Impossible, MC. I'm here in the consulate. They have the guys and the computers. Je te dis, j'ai le tracker, il est en mouvement. C'est en mouvement dans les rues, mais il faut qu'il soit branché à une génératrice. Okay. Don't lose it. Keep your line open and don't say a godless demo till I call you back. Clear? Clear. Yeah. When did you get them into custody? The suspects were brought in at about 8 p.m. yesterday evening. Then you have the wrong computers. Shit is still blowing up. Three more cars exploded this morning, which tells me that this mission is still very much in progress. Put your hands behind your head. Put your hands behind your head! Do it now! Turn the fuck around! I knew you were an asshole, but a traitor? You got it wrong. You got it wrong. I am a patriot. You see, all of those cars are gonna blow up in front of mosques in my country. We're not gonna stand for these extremist, radical sons of bitches anymore. And killing innocent people is your solution. Oh, here comes the liberal, bleeding heart rhetoric from the more stupid breed of Canadian, the French one. No one is innocent! No one! How do you fight cancer? By talking to it? No, you eradicate it! You kill it! And I'm not even talking about an eye for an eye here! If someone sends one of my own to hospital, I will send three of theirs to see Allah himself! Oh. You okay? Oh, hey. Really? Mm-hmm. Let's go. MC, are you there? Yes. Okay.
need to get in touch with the authorities in every major city. They're to look for cars parked near mosques with drivers waiting inside them. Already on it, sir. David, lose the gun. What? Lose the gun? Sinon, nous aurait jamais donné le char. Ouais, peut-être. MC, can you hear me? Oui, boss. Still the signal, you need to guide us. We're going east on President Kennedy. Vous devriez être proche. Il vient de s'arrêter. There. The armored truck, that must be it. Shit. Il tourne sur Ontario! That's it, we've got it. Ça passe, c'est sûr que ça passe. There's no way out. Open the door slowly and come out. We won't hurt you. All we want to do is talk to you. God bless America! No. Fuck! Fuck! God damn it! MC! À l'écoute. Can you shut this thing down? Non, pas capable. Mais je pense que j'ai trouvé les coordonnées GPS de certains des véhicules. Give them to Logan. Have them call all the local authorities. C'est parti, boss. Keep me posted. Ça marchera pas. Ils auront jamais le temps de trouver les chars et désamorcer les bombes à temps. I know. Faudrait amener le truck à une place où le signal rentre pas. We could submerge it. That might work. It has to work. Submerger, c'est bon, ça. C'est bon. But fuck, comment on fait ça, man? Hey, je le sais. Je le sais. On appelle les pompiers. Ouvre-moi! I love you, mon chum. Man, tes pilules sont fortes! Martin, fais-moi pas ça! Excuse-moi. Police. Police, j'ai besoin de ton bicycle. You, dude! Je suis une police! Encore, laisse! Où est ton bicycle? Aïe! Bicycle pourri! Bicycle pourri, c'est un bicycle tout sur mon tabarnak! C'est quoi ton matricule? C'est 2-8! Fuck you! Thank you.
Wesley! Hey, Wesley! David, get off! Let me do this! What are you doing? Please, get off! Don't do this to me! Je vais mourir avant que tu me tues! Just get the fuck out of the way! No way, t'es mon partner! Je vais te coller ici dans le club! Fine! On se coller dans le club! Get out of the way! Shit! You fucking hot dog teenager shit is stupid! Québécois de fucking tête de cochon de devil neck! Ben, ton français s'en vient vraiment bien! C'est fou l'immersion ce que ça fait! Je suis sûr que le système informatique est tout pété, anyways. We need to be sure. It's still on. 7 minutes left. No way. Fuck the Bruins, bro. Let's go see the Knicks. Oh, come on, man. They're playing the Penguins. Steph, we can see that red Knicks shirt whenever we want. Besides, I mean, basketball is way cooler. I mean, hockey doesn't have cheerleaders. All right. You got me. Je vais aller te rejoindre. We'll split the bill du ticket d'avion. Deal? Deal. Okay. Right there. Okay. Fuck! What do we do now? Ça a marché? I don't know. Comment on fait pour le savoir? Yes? It's me. I did
I did something really bad. I'm sorry, Dad. I need you. Where are you, son? I'm in New York, yeah. I drove a stolen car here. Where's the car now? It's across the street. I just left it. The cops are here looking for me. Did the car blow up? What? No, why? What are you talking about? Everything is gonna be fine. Dad, I'm scared. Listen to me. You're gonna walk. You don't take the subway. You walk for 20 minutes. Where? In any direction. Just away from there. All right? After 20 minutes, you're gonna hail a cab and you're gonna go to the Canadian consulate. I don't know where that is. It's near Rockefeller Center. All right? They'll be waiting for you. When you get there, you call me. You hear? Yeah. Everything's going to be okay, son. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. Just start walking. I love you, Dad. Me too. So much. Now go. Okay. Standby. Beaver and the duck. Maintenant, je le gill. Ah, you're probably the duck. 30 seconds, gentlemen. You okay? Yeah. Love you too much. For the first time since the Second World War, the American Medal of Honor is presented to a Canadian. Two Canadians, in fact. Heroes. These men risked their lives to save hundreds of Americans, and for that we are forever grateful. Thank you for what you did for our country. It was an honor, Mr. President. Merci pour ce que vous avez fait pour notre pays. Well, Mr. President, c'est un honneur du tabarnak.
sûr qu'il a même pas fait ça pour Céline.